Salut à tous, c'est encore The Mafia Junior pour vous montrer une deuxième vidéo de Call of Duty Black Ops commenté. En fait, je vais vous montrer une partie de quartier général, mais j'ai fait 186-11. Bon, je l'ai fait avant ce score, je l'ai fait avant avant l'autre vidéo que je vous ai montré. Alors, je vais lancer la vidéo pour pas perdre de temps, parce que s'il reste assez de temps. Ah oui, il va rester assez temps. Je vous montrerai une autre petite vidéo que j'ai fait. Ce sera un style de petit bonus, quoi, on va dire. Alors, des amis m'ont dit de plus laisser moins parler, plus commenter mes kills que je fais pendant la partie. Alors, je crois que la partie, je suis... Ah ben voilà, c'est nickel. La partie a eu un problème, et donc je suis déjà à 76-6. Excusez-moi, mais en fait ça avait changé d'hôte et la partie est en deux parties. Et pour la retrouver, je crois que je l'ai même plus. Alors, dans cette partie, j'étais avec 6 amis à moi, Joanito du 13, Lucky Luca, Ultra Gérard, Quentin de là et Doomshoe. Bon, comme je vous ai dit, ça avait changé d'hôte, donc la partie est tendue. Je vous montre la fin. Alors, j'ai un high. J'ai un high, il a un vrai carnage. J'en étais au reste, j'en étais calé. 3 gars là. Triple élimination. Alors j'ai mon aim, je sais plus ce que je vais en faire. Alors voilà, je vous le pour le mettre. Mais regardez ça, mon aim est sous la map, retourné, et ça a bugué pendant tout ça. Donc un aim gâché, j'étais vraiment deg, mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Alors on va passer en accéléré parce que franchement ça vaut vraiment pas le coup. Voilà. Alors là, je vais essayer de mettre mon aim. Alors là, bon, comme je l'ai dit dans l'ancienne vidéo, sur Nocturne, dès que vous avez un Lui ou un Aim, c'est vraiment très facile de faire des kills. Ils respawnent, on les tue. Pas plus simple. Voilà, voilà, comme vous le voyez, triple, double élimination. Encore des kills au respawn. Voilà, triple élimination. Élimination, double, presque double, et voilà, ça fait des multiples éliminations, presque, voilà, triple meurtre, que des gros carnages, c'est, franchement, sur notre table, ça vaut vraiment le coup de jouer avec ces séries-là, parce que dès que vous les avez, les ennemis ne peuvent rien, pardon. Alors, Blackbird, voilà. Hop là, je revis deux kills. Enfin, je revis. J'ai fini mon Yui. Grâce au Blender, je sais qu'ils sont derrière moi. Hop là. Ça c'est fait. A noter que les barons sont vraiment casse-couilles dans ce jeu. Allez, encore 4 deux kills quand même. Là j'ai plus de balles. Olympia. Mais... Alors je crois que je vais faire un match à l'arme ça. Ouf, un kill dans la tête, headshot, deuxième kill grâce au Blender. Troisième kill. Ah non, une assistance, il m'avait pas eu. Alors là je monte en haut. Ok, il est couché, je le rate. Je rate et je tire headshot. J'ai eu vraiment de la chance. Là, hop là, je saute par la fenêtre, j'en tue un, je reviens. J'en tue un deuxième, il y en a un troisième. Là je vais sortir par derrière, je crois. Là j'avais l'autre ennemi était derrière moi mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il me faisait. Un dégât derrière la voiture, un vrai carnage à l'Olympia si vous remarquez. Et je suis toujours en série d'élimination. Enfin, en série de plus, plus de... Bon là je suis mort. J'étais en série de killstreak. J'étais au-dessus de mes killstreaks, pardon. Alors là je lance une grenade, j'essaye de lancer une grenade à la fond. Je crois qu'il va foirer, oui. Alors il y a un mec, un de la fenêtre. Ah j'ai changé d'arme, j'ai pris la K47. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais plus. Cette arme est vachement polyvalente. Autant au corps à corps que de loin et que de moyenne portée. Je me mets derrière la voiture pour couvrir le QG et couvrir mes alliés, vu que je sais qu'ils vont aller là. Je sais pas trop où sont les ennemis. Attention, la série des ennemis repérés. Encore
un kill. Bientôt avoir Blackbird, il faut éviter de mourir. Ce serait pas mal. Alors CSD est tout près. Voilà. Gros bâtard, manque de chance. Ah, j'ai repris la case 74 et 47. Comme vous pouvez le voir, je joue avec deux chargeurs qui évite de prendre pillard en premier atout, vu que on a plus de balles avec double chargeur à la base. Ça, en fait, on a deux chargeurs. Là, il a failli faire une triple élimination, mais malheureusement, je me suis fait killer. J'ai joué très bêtement. L'ennemi m'attendait, je me suis killer. Alors là, j'ai qu'un ennemi qui reste derrière moi. Il respawn tout seul. Là, je sais qu'il reste plus les rares parce que tous mes alliés étaient là-bas. Là, je m'en fais 2. 3. Donc là, ils sont bien sur l'un de l'autre côté. Logique. J'attends toujours là. Hop là. Encore un kill. Je vais sur le QG parce que j'ai vu qu'il y en a un autre là, mais il n'y a personne en fait. Quel instinct. Les terres sont dans l'atmosphère, se déployer. Frappons la bombe imminente. Ouais. Ah, mais on est sur le côté du bon côté, parce que sinon je crois que c'est... Oui, bah elle est collée. Colis stratégique allié en route. Là je crois que je vais me laisser faire filer, voilà. Vu que c'est bientôt la fin, je préfère mettre mon aim au plus vite, le plus vite possible, pour faire plus de kills. Bon, voilà, un vrai carnage hein, encore au high. Ça va être vraiment très facile. Hop. Double élimination, double élimination, double élimination. Oula. Triple, quoi, multiple élimination. Double, triple, multiple. C'est vraiment un gros carnage, c'est vraiment abusé. Et à noter que les ennemis ne quittent pas. Je me demande comment ils font parce que j'aurais quitté plusieurs reprises moi personnellement, parce que franchement mourir autant de fois et toujours avoir le courage de rester plutôt que de se refaire filer, franchement ça donne peut-être qu'ils sont entraînés pour ça les gens, je ne sais pas, mais bon franchement il y a des moments où on dirait que les gens sont habitués ou entraînés à se laisser tuer. C'est très bizarre, mais bon. Alors je suis en 185 heures et j'ai perdu mon temps de contre lui, vu que j'arrive pas à le... vu que un Yui Ali a été mis, je ne perds pas mon temps. Je cours pour essayer de faire le plus de kills. Alors j'ai fait 186-11, magnifique gros score. Bon, mes amis ont pas très fait un gros score, je ne sais pas pourquoi. Ah, Joanito du 13 a bugué, sûrement pendant la partie, je ne sais pas. Alors voilà, c'était une petite vidéo tranquille, une deuxième vidéo. Avant de nous quitter, je vais vous montrer une vidéo, si il y a le temps, je regarde. Oui, ça va, il y a le temps. Une vidéo petite bonus pour vous. Hein. Alors c'était sur Fire Range, j'étais au Gali et vous allez voir un vrai carnage à un moment tout seul. Enfin tout seul. Oui, j'étais tout seul face à... 6 ennemis, vous allez voir ça, c'est vraiment énorme. Franchement, c'est un vrai carnage. J'ai fait un clip, donc on va laisser se dérouler. Une minute, j'espère que le temps suffira, mais normalement oui. Je ne vais pas commenter ma vidéo et je vous laisse profiter de la vidéo sans commentaire parce que ça ne nécessite même pas de commentaire. Approche.
dire un vrai canon. Regardez, ils étaient tous à l'intérieur, cette fois. C'est vraiment énorme, c'est vraiment... Peut-être certains diront du bol, certes, mais... Faut le faire, quoi. Bon. J'ai envie de dire merci à tous. Prenez soin de vous et à la prochaine.